Le droit à la déconnexion et ce qu'on a, nous, étendu à la CFDT4 comme le devoir de déconnexion, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau à la CFDT4 puisque nous en parlons depuis 1995. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que c'est désormais rentré dans le domaine public. Il y a déjà l'ANI sur la qualité de vie au travail de 2013 donc, qui parle du droit à la déconnexion. La plupart des accords qui parlent donc du télétravail notamment, où on parle d'un droit à la déconnexion des gens donc en dehors des heures de travail. La dénonciation de l'accord Syntec sur les forfaits jours, donc qui dans son avenant d'avril 2014 parle lui aussi maintenant d'un devoir de déconnexion de la part des salariés. Chaque personne a le droit de se déconnecter le soir de sa messagerie, mais a aussi le devoir. Ça nous paraît essentiel à nous de situer la responsabilité au niveau du salarié. C'est-à-dire que le salarié, certes, ait ce droit à se déconnecter, mais qu'aussi il réfléchisse un petit peu à l'utilisation qu'il a de la messagerie. C'est-à-dire, est-ce que moi-même, quand je reçois un message, comment je le traite? Je deviens moi-même quelqu'un qui va aller polluer la boîte de quelqu'un d'autre. L'employeur a, je dirais, une responsabilité vis-à-vis de la santé de ses salariés. Donc, différentes solutions. Il y a l'utilisation de couper les serveurs. On va retrouver des boîtes qui vont dire « Non, nous ne vous empêchons pas de travailler le soir. Par contre, faites des mails en envoi différé. » Plus cette bonne parole passe par le PDG ou le management, plus évidemment cette parole a des chances d'être écoutée et entendue. On s'est retrouvé dans une entreprise qui avait donc décidé de couper les serveurs entre 22h et 7h le matin, donc avec des gens qui continuaient au-delà de 22h de travailler. Et puis, ces gens ont quand même dû envoyer des mails, mais qui ont été des mails en envoi différé. Vous recevez les mails de la veille, et puis évidemment, entre 9 et 10, vous continuez aussi d'en recevoir. Donc vous voyez bien en fait que la problématique, c'est qu'on ne fait que décaler le problème dans l'entreprise et que la problématique du mail reste la même, à savoir une surcharge de mail de la part des salariés. La régulation passe.